Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, émission Wall Street Insider. Bienvenue, il est 15h19, nous sommes le lundi 8 décembre 2014, deuxième semaine du mois de décembre. C'est une semaine qui n'est pas très chargée, en tout cas moins que la semaine précédente sur le plan des fondamentaux. Je vais commencer par ça, très brièvement, puisque ça vous a déjà été présenté lors des émissions de ce matin, Good Morning CAC 40 et Morning Meeting. Cependant, retenons que la journée du jeudi 11 décembre est importante. Jeudi 11 décembre verra les résultats de la phase 2 du programme de financement à long terme, à très long terme, de la Banque Centrale Européenne, le programme TLTRO, rappelez-vous, qui avait été un succès relatif le 24 septembre dernier. Nous verrons bien ce qu'il en sera donc jeudi prochain. C'est aussi jeudi prochain que sera publié le rapport mensuel de la Banque Centrale Européenne. Généralement, ces rapports de banque centrale principale ont un impact fort sur la monnaie concernée. C'est aussi jeudi prochain que la Banque Centrale de Russie prendra une décision de politique monétaire. Elle monte ses taux depuis le mois de mars 2014, un refinancement principal qui est passé de 7% à 9,5%. Nous verrons si elle poursuit sur la voie du resserrement monétaire, sachant que pour le moment le rouble continue de se déprécier sur le marché d'échange, ce que vous pouvez constater à travers la tendance haussière de la paire USD-RUB. Et c'est enfin jeudi que sera publiée la statistique américaine la plus importante, les ventes au détail, attendues à 14h30. Alors en clair, il n'est pas non plus question de partir du marché jusqu'à jeudi prochain, il y a d'autres éléments qui sont importants avant cela, des statistiques de moindre importance, notamment des chiffres industriels qui concernent la zone euro. Vous avez eu ce matin les chiffres de la production industrielle en Allemagne, satisfaisants, qui permettent d'ailleurs à l'euro-dollar d'esquisser quelques pips de rebond depuis ce matin. Nous en verrons peut-être des raisons graphiques, et d'ailleurs vous avez sous les yeux un graphique de long terme de la paire euro-dollar. Je vais vous en parler dans moins d'une minute. En ce qui concerne les banques centrales, nous avons mercredi prochain à 21h une décision de politique monétaire de la Banque Centrale de Nouvelle-Zélande, la réserve de Nouvelle-Zélande. C'est important parce que nous aurons à 21h05, heure de Paris, une conférence de presse de son gouverneur qui ne manquera pas, je pense, de revenir sur le taux de change du dollar néo-zélandais et notamment ce qui concerne les crosses avec les principaux partenaires commerciaux, donc forcément l'Australie, mais aussi les États-Unis et un certain nombre de grandes économies en Asie. Et enfin, nous avons tout un tas de statistiques qui concernent l'économie européenne, donc c'est ce que je vous disais. Et enfin, la nuit dernière, nous avons eu la publication des chiffres du commerce extérieur chinois avec un surplus record, essentiellement dû d'ailleurs à une contraction des importations. En tout cas, vous le savez, depuis que la Banque Populaire de Chine a lancé des mesures additionnelles, allant dans le sens d'un soutien à l'économie depuis quelques semaines, le taux de change de la monnaie chinoise se déprécie sur le marché d'échange, notamment face au dollar américain. Et vous avez eu notamment une stratégie sur la paire USD-CNH. Voilà donc pour l'introduction fondamentale. Elle a duré 3 minutes et 55 secondes. Trêve de blabla. Passons donc au graphique. Sous vos yeux, une capture d'écran réalisée ce matin, ou en début d'après-midi, bref, peu importe. C'est un graphique en données hebdomadaires de la paire euro-dollar qui fait figurer à la fois des niveaux horizontaux, mais aussi des lignes obliques, et forcément les analystes chartistes étudient cette ligne de tendance haussière qui passe à proximité des 1,2230. Pour certains, elle est vue comme un triangle, pour d'autres une simple oblique. À cela s'ajoutent des moyennes mobiles de long terme qui vous ont été précisées ce matin. Bref, un certain nombre de raisons qui font que à proximité des 1,2230 dollars se pose un certain nombre de questions. C'est ce que nous allons étudier sur des graphiques de court terme qui, eux, mettent en avant des structures de compression, pourquoi pas une forme de biseau, de wedge descendant sur la paire euro-dollar. C'est ce que nous allons étudier. Premier donc et seul graphique de long terme que je souhaitais vous montrer, rapidement, toute petite aparté, il s'agit ici non pas de l'indice Hang Seng que vous pouvez négocier chez nous via le CFD HKG, je crois, 33, représente la bourse de Hong Kong. La bourse de Hong Kong est composée d'actions chinoises, mais aussi d'actions internationales. En ce qui concerne la bourse de Shanghai, nous avons pour l'essentiel des actions domestiques chinoises. Et je voulais revenir sur ce mouvement haussier qui est particulièrement puissant depuis maintenant 6 semaines. Un mouvement de hausse du prix des actions chinoises, probablement en lien avec un certain nombre de mesures que lance la Banque Centrale de Chine ou encore le gouvernement chinois, bref, allant dans le sens d'une hausse du prix de ces actions,
et en ce qui nous concerne, nous, ici, une dépréciation du taux de change de la monnaie chinoise sur le FX. C'est tout pour les graphiques de long terme. Vous voyez, on va maintenant se concentrer sur un tour d'horizon des graphiques en données 4 heures. Comme d'habitude, à peu près une vingtaine de paires de devises, les matières premières, les indices boursiers. Je prends tout dans l'ordre alphabétique. Je vous livre un certain nombre de points. Ensuite, libre à vous de les utiliser ou pas en gardant votre esprit critique habituel. Alors, on va commencer par la paire de devises USD-CNH et puis on évacue ce sujet-là sur lequel, de toute façon, j'entrerai pas davantage dans les détails. Il s'agissait d'une stratégie chartiste. On s'est posé la question d'une stratégie d'achat et donc de vente du yuan offshore. Il s'agit ici de celui dont le code est CNH. C'est celui qui est utilisé dans le cadre de transactions commerciales avec Hong Kong, qui a un statut juridique particulier hein, depuis son rattachement juridique à la Chine à la fin des années 90. En tout cas, la paire de devises USD-CNH a formé un support sur un ratio de Fibonacci à la base, 6,1120. Et puis depuis, elle s'est affranchie d'un certain nombre de résistances. Et le dernier signal en date a été donné ce matin, avec la cassure des 6, 16, 17. Et je vous en ai notamment parlé en m'appuyant sur un graphique en données 4 heures, vendredi après-midi d'ailleurs, pendant la session NFP, lorsque ce marché était à 6,15. Il y avait une possibilité de se positionner en mettant un stop sous 6,14, 45. 6, 18, 30 représente un premier objectif. Il s'agit de ce niveau horizontal. Cependant, il y a quand même de bonnes raisons de croire que ce marché peut poursuivre sa hausse lors des prochaines semaines. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est d'utiliser désormais le support à 6,16 pour prendre bien une stratégie d'achat et typiquement laisser traîner un ordre d'achat limite sur ce support en vue, je dirais, de l'anticipation de la cassure haussière de ses plus hauts ici du 2 octobre. Voilà donc en ce qui concerne cette paire de devises. Maintenant, je les prends dans l'ordre. Nous allons passer en vue de la UDCAD jusqu'à l'USD-Yen, donc dans l'ordre alphabétique. Alors, la UDCAD, la dernière fois que je vous en ai parlé, c'était à la cassure et au pullback sur les 0,9566, avec comme un objectif 0,9411. Faut-il tenir la position ? Alors, il y a une résistance hein, là actuellement à 0,9505. Je n'aime pas ce que commence à faire le momentum, mais peu importe, au fond ça reste baissier. Alors, je ne sais pas, il y a plusieurs façons de gérer une position, puis tout dépend des positions de trading que vous pouvez tenir. Elles peuvent être ensuite accompagnées soit via un stop suiveur, soit gérées à la main, soit tout simplement en attendant un objectif qui aurait pu être enregistré avec un ordre de débouclage limite à 0,9411. Cependant, à très court terme, il y a une résistance à 0,9505. Je n'aime pas trop ce que fait Momentum. Après, sur le fond, je reste de toute façon baissier sous ces 0,9566. La UDCHF. Alors, la UDCHF a atteint un certain objectif, ça c'est sûr, hein, à 0,9120. Cependant, il continue de se déprécier, ça reste baissier et je pense que cela va le rester sous la résistance des 0,9155. Donc sous 0,9155, je pense que ce marché peut descendre plus bas. C'est un niveau si vous souhaitez adopter une stratégie de vente. La UDN, pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est un range entre 100 et 124. Nous parlerons d'ailleurs de ces paires en yens qui commencent à éventuellement proposer une modification, quelque chose d'un peu suspect sur le plan du momentum. Nous allons voir ça. Faut-il s'en inquiéter ? On va essayer de répondre à cette question aujourd'hui. La UDNZD. Alors la UDNZD, j'ai confiance. Pourquoi ai-je confiance ? Et après un échec. J'ai eu un échec à la cassure du support des 1,0910. Mais depuis, ce marché a rallié sa ligne de tendance haussière en place depuis 24 janvier 2014. C'est la tendance haussière primaire. Le sens de la tendance de fond, finalement, depuis le 23 janvier. D'autre part, il y a une divergence haussière de RSI qui, cette fois-ci, est pleine et entière. Elle est parfaitement active depuis que l'indicateur a cassé à la hausse le niveau des 34. On fait aujourd'hui un beau chandelier journalier. Nous avons un gap haussier non pas de mèche, mais un gap haussier de corps. De 2 à 3 pips, c'est pas grand-chose, mais qui permet quand même aujourd'hui d'avoir une séance satisfaisante. Je pense que ce marché peut rejoindre les 1,0910 avant la conférence de presse du gouverneur de la Banque Centrale de Nouvelle-Zélande.
Je pense que donc elle est intéressante, cette paire de devises. Elle l'était déjà vendredi dernier. Et sur le très court terme, le marché tente de former un support à 1,0835. C'est un flat. Alors c'est un niveau vraiment purement intermédiaire. Lorsque je regarde mon graphique des 1, je ne pense pas qu'on puisse revenir à 1,0760. Éventuellement, pullbacker à 1,0811. À ce moment-là, ça peut être un bon niveau d'entrée long. Mais cependant, au final, déjà ce support à 1,0835 m'intéresse. C'est un petit support intermédiaire. L'objectif étant de viser la 1,0910. Alors je m'y intéresse pourquoi ? Parce que cette semaine, en ce qui concerne les paires de devises que vous pouvez négocier chez nous, il n'y a qu'une seule banque centrale, c'est la Banque Centrale de Nouvelle-Zélande. Et forcément, elle va étudier le cas de figure du taux de change du dollar néo-zélandais. Elle va probablement l'évoquer face au dollar US. À ce niveau-là, je dirais pas d'inquiétude, il est baissier. D'ailleurs, nous avions anticipé, via une analyse en fin de semaine dernière, l'inscription de nouveaux plus bas. Sauf que les États-Unis ne sont que le second partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande. La palme revient à l'Australie et, hélas, depuis plusieurs semaines, le dollar néo-zélandais s'est renforcé face au dollar australien. C'est ce que vous avez constaté à travers la dynamique baissière de la UD-NZD. Ça peut donc poser des problèmes et on peut envisager un scénario qui serait d'utiliser des mots appropriés pour peut-être inverser cette dynamique. En tout cas, en utilisant uniquement l'analyse technique, je pense que c'est une très bonne stratégie d'achat au-dessus de cette ligne de tendance haussière primaire. En tout cas, on sait où positionner son stop et je pense que nous pouvons viser 1,0910 avant cette conférence de presse mercredi prochain, donc heure de Paris à 21h05. Quatrième paire de devises, toujours dans l'ordre alphabétique, la UDUSD. Donc là, forcément, c'est une tendance baissière. Les objectifs sont atteints plus rapidement que le mouvement initialement ne le laissait présager, puisqu'on avait une baisse qui était devenue assez lente et finalement elle s'est accélérée. On a récemment cassé un niveau ici à 0,8360. Donc 0,8360 c'est la première résistance, est-ce qu'on peut pullbacker, revenir la tester? En tout cas, on avait ici un espèce de canal de baisse à faible pente et on en est carrément sorti par le bas. Donc ça reste sérieusement compliqué et au fond revenir à 0,80, pourquoi pas? De quelle façon? Aucune idée. Mais en tout cas, 0,8360 est une première résistance qui pourrait être utilisée pour une stratégie de vente. Le CAD Yen. Alors, les paires en Yen, il faut commencer à se méfier des graphiques d'horizon de temps journalier, des 1. Cependant, sans s'en soucier pour le moment et en utilisant simplement la tendance, eh bien, le CAD Yen avait réalisé des nouveaux sommets en cassant à la hausse les 105,30. Alors au fond, eh bien, au-dessus de 105,30, on peut estimer qu'il y a des probabilités que ça relance, mais à un moment ou un autre, une tendance haussière mature fait que même dans le sens de la tendance, on perd en probabilité de relance dès lors que le marché revient sur support. Forcément, ça fait longtemps que ça dure. Cependant, la semaine dernière, le yen japonais a cassé ses plus bas de 2008, ce qui donne un objectif de cours sur les plus bas de 2007. Donc, cela peut amener les paires en yens plus haut. Donc forcément, sur le CAD yen, j'aurais tendance à dire que les 105,30, 105,50 sont un premier support, et à ce moment-là, qui peut être utilisé dans le sens de la tendance haussière, jusqu'à preuve du contraire, et en commençant à se méfier quand même de l'horizon de temps supérieur au H4, c'est-à-dire le D1. L'euro AUD, c'est comme la UDCHF, donc ce que je vous ai dit sur la UDCHF, vous l'inversez et vous l'appliquez à l'euro AUD. L'euro AUD n'est probablement pas une paire de devises à vendre. Je dirais même plutôt que ça fait partie des rares paires en euros. Je dirais au-dessus des 1,47, ça reste pas mal, au-dessus des 1,46,15. Non, moi par contre, je m'intéresserais au GBP AUD. Le GBP AUD, j'ai envie de vous dire objectif atteint. Rappelez-vous, je visais 1,8824 depuis que le marché avait cassé les 1,8640. Les 1,8824 sur le GBP AUD sont ce niveau horizontal. C'est un objectif, mais je pense que nous pouvons aller plus haut. Le GBP AUD, je pense que nous pouvons viser les plus hauts annuels, ceux du 24 janvier, qui ont été inscrits à 1,9180. Donc, là nous avons atteint un objectif, on peut peut-être revenir au contact ici de cette ligne de tendance haussière. Soit vous sortez du trade, vous encaissez et vous attendez un support, soit probablement ce qu'il y a de mieux à faire lorsqu'on atteint un objectif,
Et puis je m'intéresserai à nouveau à un retour sur support du GBP AUD pour accompagner le mouvement dans le sens de la tendance. Alors l'EuroCAD, je n'ai pas un graphique à jour, par contre pour vous parler de l'EuroCAD, je vais vous parler du CAD CHF, et autant vous dire que ça devient confus sur le court terme. Les chandeliers H4 sont... c'est une dynamique qui s'est latéralisée. Autant je m'y intéressais sur 0,9420 pour viser 0,8636. L'objectif, c'est pas de se forcer à donner une opinion, on peut ne pas avoir d'opinion. Donc là, eh bien, je vais faire ce choix-là, c'est-à-dire que ce sera mon choix de ne pas avoir d'opinion. Je pense que ça s'est vraiment neutralisé, le CAD CHF. Tout comme l'EuroCAD, je n'ai pas grand-chose à vous dire dessus. Euro CHF, c'est toujours le même topo, on cherche à se positionner entre 1,1990 et 1,2010. Cependant, donnez 4 heures, intéressez-vous à cette ligne de tendance avec un angle très très faible, peut-être à peine 15 degrés, qui part depuis le 19 novembre 2014. Et elle passe actuellement à 1,2013. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas en cas de contact avec cette oblique H4? D'ailleurs, en fait, vu qu'elle a été traversée ici, elle existe réellement 1,2010. J'ai quand même l'impression que ce marché forme un support sur 1,2010. Alors voilà, à nouveau un test des 1,2010. C'est donc c'est la partie haute de la zone où ça peut commencer à représenter un intérêt de s'intéresser à l'euro CHF. Alors pour vous parler de l'euro GBP, je vous parlerai du GBP CHF. C'est la même chose. Là aussi, sur le court terme, ça s'est un peu neutralisé. Le GBP CHF, je le vois comprimé entre une oblique haussière et une oblique descendante. C'est du H4. Hein. Et donc j'ai la même chose sur l'euro GBP. Autant certaines semaines, elles ont été intéressantes, je pense. Autant là, honnêtement, là où se situe, c'est forcément, on a toujours un biais qui est favorable au GBP hein, dans cette force relative, mais bon, là l'euro GBP, je m'y intéresserais si éventuellement il retombe sur 0,78, et encore, c'est plutôt au milieu de nulle part, je pense que c'est pas la peine de s'éterniser dessus. L'euro-yen. Alors, l'euro-yen, ce n'est pas la paire en yen la plus funky, cependant, il y a quand même des choses, je pense, à faire. J'avais un objectif à 150, dont le marché s'est approché 149,78. Il y a un niveau horizontal à 149,13 que le marché a tenté de déborder, mais finalement qui n'a pas pris son rôle de support, puisque ça a été réintégré. Sur l'horizon de temps supérieur, il faut commencer à se méfier du momentum. Cependant, sur le court terme, 148,19, c'est un support. Et pour l'instant, les 148,19 tiennent. Alors, sur le très court terme, on peut éventuellement revenir à l'assaut des 149,13. Mais parmi les paires en yens, ce n'est pas... Disons qu'il y en a deux sur lesquelles j'ai un peu moins de doute. En fait, une qui m'intéresse beaucoup, et ça a toujours été le cas, c'est le GBP yen. Celle-ci, je dirais, peu importe ce que je vois sur les horizons de temps supérieurs, elle me plaît. D'ailleurs, aujourd'hui, d'une certaine façon, ce matin, nous avions un pullback sur 188,30, 188,23, pour relancer dans le sens de la tendance. Le GBP yen, c'est vraiment l'illustration de la théorie de dos, hein, d'une tendance haussière. Bah, une succession de creux et de sommets ascendants, et dès qu'on franchit une résistance, ça devient support. Jusqu'à ce qu'un jour ça s'inverse violemment, hein, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, donc le GBP yen il peut revenir tutoyer ses récents tops, voire même potentiellement aller au-delà. Alors forcément, si je vous parle du CAD yen et du GBP yen, je dois évoquer le cas du USD yen. Là aussi, l'horizon de temps supérieur commence à donner des petits frissons dans le dos, mais cependant, pour le moment, les premiers supports relancent. La semaine dernière, l'USD yen il avait cassé les 120. C'est le premier niveau de support, maintenant je dirais. Il y en a probablement un juste avant à 120,25. Et là, on se stabilise à 120,68. Qu'est-ce qui se passe à 120,68? Il y a vite fait un ratio de retracement. Bon, enfin, il n'y a rien. Je vais pas chercher quelque chose. Bon, là, au niveau actuel, l'USDN ne m'intéresse pas forcément parmi les paires en yens. Si ce n'est que lorsque j'étudie le Dow Jones FXM Dollar Index, nous étions sortis par le haut d'un canal haussier à faible pente et peut-être que nous faisons simplement le pullback.
Le premier niveau horizontal est à 11453. Je ne sais pas si ces 11453 seront testés ou si on va s'arrêter sur ce premier, sur ce canal. Alors avant de continuer dans l'ordre alphabétique, je vous ai montré tout à l'heure le niveau de long terme de l'euro-dollar que tout le monde surveille, qui peut être brisé au fond, ça peut être brisé, peut-être cette semaine ou pas, nous verrons bien. Sachant que si ces niveaux de long terme sur l'euro-dollar sont brisés, clairement on va à 1,20, 1,18, etc. Ces niveaux de long terme dont on s'approche sur le court terme, sur les graphiques de court terme, sont soutenus par ce qui pourrait être une forme de biseau descendant. Avec beaucoup de pincettes, beaucoup de pincettes, mais au-delà de ça, c'est une ligne de tendance qui attrape les points bas les plus extrêmes. Donc celui ici qui passait à 1,24 et celui ici qui passait à 1,2275. Et donc là, il passait ce matin précisément sur les 1,2236. On fait un petit chandelier H4 sympathique. Il y a une première résistance à 1,2276 et pour le moment, elle bloque les cours. 2276, à l'image d'ailleurs de ce que nous avons sur le GBP USD. Alors GBP USD, il y avait un niveau horizontal ici qui se trouvait à 1,5584. Mais forcément, ça aurait été, je dirais, peut-être trop facile que le niveau horizontal bloque tout de suite. Non, par contre, on a une oblique descendante qui passe davantage vers les 56,80. Donc en dessous, de toute façon, ça reste une dynamique de baisse pour rejoindre à terme plutôt les 1,54. Mais voilà, la résistance vraiment descendante, je la vois passer davantage aux alentours des 1,56,82. Alors, c'est pareil en fait pour le NZD-USD. Alors là, par contre, le niveau horizontal 0,7660, pour l'instant, il agit. Le NZD-USD, il a cassé ses plus bas annuels. C'était ce niveau de support. Disons qu'on a besoin d'une vraie clôture D1 pour dire que c'est cassé. Et ça semble être le cas. D'ailleurs, il y a moyen que ça spécule pendant 48 heures en attendant la conférence de presse du gouverneur de la RBNZ. Donc au fond, la vente de cette résistance sur le NZD-USD, ou le suivi de la stratégie de vente si vous êtes passé baissier vendredi lorsque nous vous avons proposé une analyse sur le NZD-USD, ça représente, je pense, avec la UD-NZD, peut-être deux stratégies pour jouer, façon de parler, pour anticiper ce que pourraient être des mots du gouverneur de la RBNZ, pour créer de la dépréciation du NZD sur le marché des changes. En tout cas, voilà, sur le plan de l'analyse technique, il faut rapidement confirmer que les 0,7660 sont résistance ou pas. Et ça, on sera fixé rapidement, je pense. Alors maintenant, puisqu'on parle du NZD, je pense qu'on peut s'intéresser au cas du GBP-NZD, qui était une stratégie d'achat de la semaine dernière à la cassure des 2,0116. On atteint la partie haute d'un canal H4, mais au fond, ça ne m'effraie pas plus que ça. Je pense qu'on fait un flat, que désormais, sur le GBP-NZD, nous avons un support ici à 2,028 et que ce marché ira à 2,06. Donc, il y a trois façons de spéculer sur la RBNZ. Acheter le GBP-NZD, mais je pense que c'était vraiment la semaine dernière qu'il fallait se positionner. Maintenant, on a un support à 2,0280 pour viser 2,06. Se positionner sur l'AUD-NZD ou encore la vente du NZD-USD avec ce nouveau signal de cassure des plus bas de 2014. Enfin voilà, il y a du choix quoi sur le NZD. Ensuite, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je regarde. Alors, dans ce tour d'horizon, le NZD-Yen, non, rien à vous dire dessus. Le NZD-USD, d'accord. L'USD-CAD, pas grand-chose à en dire. L'USD-Yen, on en a déjà parlé. Et l'USD-CHF, c'est comme l'euro-dollar. Donc, voilà. Ok, donc pour le FX, c'est bon. Alors maintenant, je n'y échapperai pas, les pétroles. Alors, je me suis forcément trompé. J'ai mal lu ce qui s'était passé. J'entends Romain qui siffle derrière. Je m'occuperai de lui après. Non. Plus sérieusement, il y avait eu une séance du 1er décembre qui était sympathique. En tout cas, lorsque je regardais les chandeliers D1, à la base, j'avais étudié des indices de vise qui montraient des choses sympathiques. Sauf que dans les indices de vise, il y a de tout. Hein, des matières premières agricoles, des métaux précieux industriels, de l'énergie, tout ce que vous voulez.
Les métaux précieux, je n'ai pas abandonné. Je pense toujours qu'il y a quelque chose de sympathique à faire. Et que probablement, ils expliquent peut-être ce qu'on peut voir sur certains indices de vie. Matière première. Par contre, l'énergie, c'est compliqué. J'avoue que sur le Brent et le WTI, je pensais qu'on allait retracer la moitié de cette jambe du premier et relancer. Ça n'a pas été le cas. Le Brent retravaille ses 67. Par contre, l'US Oil, lui, il n'a pas encore cassé. L'US Oil peut tout à fait se stabiliser sur ses 63-71. J'en ai aucune idée. Il y a deux possibilités. Forcément, là, le chemin qu'on prend depuis mardi dernier, c'est pas celui que j'escomptais. J'aurais aimé davantage de force, mais ce qui n'est pas le cas. Et peut-être que les fondamentaux ne sont pas encore là pour permettre ce scénario. Donc, forcément, sur le Brent, ma stratégie est invalidée. Sur le WTI, on verra bien. C'est-à-dire que pour l'instant, 63-71, ça tient. Ça cède, la tendance au prend. Ça tient, on pourrait peut-être avoir le début d'un creux. Après, en 2009, il avait fallu 3 mois au marché, 3 mois de range pour passer de la phase baissière à la phase haussière. Et là, je pense qu'il faudra au moins autant de temps. En tout cas, voilà pour le cours du WTI et du Brent. Les métaux précieux, c'est différent. Les métaux précieux, c'est différent. D'ailleurs, dans l'indice, dans le Continuous Commodity Index, les métaux précieux et les métaux, de manière générale, représentent une part aussi importante que l'énergie. Et eux se comportent de manière très différente. C'est-à-dire que le 1er décembre, on a eu cette jambe de hausse, notamment sur l'argent, qui est très intéressante, puisque depuis, on fait un flat. On fait un flat dans 28% de retracement de cette jambe de hausse. On est collé sous une oblique baissière, mais on ne rejette pas, on ne casse pas de support, en dépit des nouveaux plus hauts vendredi du dollar US, portés par un excellent rapport sur l'emploi. Alors, peut-être que ça ne veut rien dire, mais en tout cas, au-dessus des 15,87, au-dessus des 16$, eh bien, je privilégie la contre-tendance, je l'avoue, et toujours le sentiment que ce marché pourrait rejoindre 17,50, 17,80. J'abandonnerai complètement ce point de vue si jamais on doit casser 15,90. Alors l'or, c'est plus ou moins la même chose, tant qu'on tient les 1178-1180, je n'abandonne pas, et je pense toujours que ce marché peut relancer. Après, j'ai la tendance contre moi, donc nous verrons bien. Alors, dans les métaux précieux, le platine, qu'est-ce que je peux ajouter de plus sur les cours du platine ? Il y a peut-être un truc qui est pas mal sur le platine. Le platine, moi je reste positif tant qu'on tient les 1220. À vrai dire, les 1217. Je pense qu'on a fait aussi un mât et qu'on fait plus ou moins un flat. Après, de toute façon, il faudrait rapidement revenir casser cette résistance ici à 1245. Mais bon, voilà. Au vu, toujours pareil, de cette séance du 1er décembre, j'attends mieux. Mais bon, c'est forcément à contre-tendance. Hein. C'est pas comme les paires en yens où c'est dans le sens de la tendance. Les premiers supports sont tout le temps achetés. Là, c'est différent, quoi. C'est un certain nombre d'éléments qui invitent à penser que ce marché aurait construit un creux, quelque chose, quoi. Les indices boursiers. Alors, le CAC et le DAX ont donné 4 heures, c'est simple. Il y a une figure dont j'ai soupçonné l'existence jeudi et qui se confirme, c'est une structure en porte-voix. Bon, c'est vraiment du graphique, enfin du chartisme, hein, donc c'est uniquement pour le rythme de marché. C'est-à-dire que ces deux indices sont dans des canaux de hausse, mais ils dérivent à plat, et la forme chartiste de cette dérive latérale, c'est une structure en porte-voix. C'est pourquoi ce matin le DAX a calé sous les 10 090, 10 090 qui était la partie haute de la structure en porte-voix. Il y a un tout premier support à 10 000 points, donc maintenant il est entre 10 000 et 10 090, et je ne sais absolument pas ce qui peut se passer entre 10 000 et 10 090. Il y a quand même un scénario privilégié de retour dans la partie basse du porte-voix et d'attendre la MM20. Et sur le CAC, c'est la même chose, c'est même plus faible, mais la pattern en porte-voix, le marché reste dedans et on peut tout à fait dériver latéralement. Aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas de d'éléments fondamentaux pour en sortir. J'ai regardé la tête du CAC, il y a plus ou moins toutes les valeurs qui perdent entre moins 1 et moins 3. Il n'y a que Saint-Gobain qui sort du lot parce qu'elle lance une OPA, et encore Saint-Gobain, ça pèse pas grand-chose.
Donc tout est assez linéaire aujourd'hui dans l'indice. Je vois pas pourquoi on sortirait de cette phase ici en porte-voix. En tout cas, pas pour le moment. Après, je pense que ça se jouera surtout cette semaine sur la séance de jeudi avec le contenu du rapport de la BCE, le montant qui sera demandé par les banques à la Banque Centrale Européenne, parce que c'est ça le principe, hein, ce sont les banques qui demandent. Le montant sera lié en fait à la volonté des banques de faire quelque chose de cet argent. Donc on verra bien. Et de là, on découlera aussi la capacité des banques à accorder des crédits, etc. Donc forcément, ça aura un impact sur le cours des indices boursiers. D'ailleurs, à 18h tout à l'heure, on fera un topo sur le CAC 40, sur sa saisonnalité, des statistiques historiques sur le mois de décembre. Et d'ailleurs, vous constaterez tout à l'heure que la seconde semaine du mois de décembre, c'est généralement pas la plus favorable. Après, ce ne sont que des statistiques. Et j'essaierai de mettre en rapport le mois de décembre actuel avec ce qui s'est passé précédemment sur ces indices boursiers. Alors, voilà pour le CAC et le DAX. En clair, dans la partie haute des structures en porte-voix, je n'envisage aucune stratégie d'achat. En ce qui concerne les indices US, vous avez sur le site un contenu intéressant, notamment sur le Dow Jones, vous invitant à surveiller des divergences baissières potentielles. Donc, voilà ici sur le Dow Jones. Moi, je vous invite à lire cette analyse d'Adriane sur le Dow et le S&P 500. Et disons que forcément, ça appelle à une possibilité. Disons que les indices US, ils peuvent revenir tester leur précédent top historique sous l'effet justement de ces diffs potentiels. Vous avez de la lecture sur le site qui en parle. Donc voilà, je pense que tout est dit là sur les indices US. J'ai pas besoin d'en remettre une couche. Voilà donc pour le tour d'horizon des graphiques H4. Maintenant, je vais répondre à vos questions. C'est parti. Alors, normalement le son et l'image fonctionnaient normalement, sinon c'était sérieusement compliqué. Alors, 6, 16. Donc, Luc, vous êtes à l'achat sur l'USDCNH à 6,16. Eh bien, c'est bien. Faites ce que vous voulez, sachant qu'on peut maintenant, après quand même 3 semaines de hausse, revenir sur support. Limite, encaisser, sécuriser du capital et resservez-vous sur support. Resservez-vous à justement 6,16, 17 par exemple. Alors Webby, écoutez, non, enfin je pense que la qualité vidéo du webinaire est correcte. Alors les pétroles, et oui, l'émission de 18h sera enregistrée. Alors, écoutez, c'est pas compliqué hein, pour les pétroles. On a un historique de cours qui est assez limpide. Donc, si le Brent devait confirmer la cassure, où irait-il, le Brent? Honnêtement, sous ce niveau-là, sur le Brent, qui est quand même un niveau weekly, hein, c'est un niveau weekly. J'ai tellement du mal à voir les pétroles accélérer à la baisse que le RSI hebdomadaire se trouve à 11. 11 sur le Brent. C'est quand même un énorme support horizontal, 68. Un RSI weekly à 11. Alors, ok, on peut tomber à 0. Enfin, juste un peu au-dessus. Mais sous ce niveau horizontal, pour répondre à votre question, il n'y a plus rien. Après, c'est 60. Après, je dirais que c'est 55 dollars, quoi. Donc, soit ça s'écroule de manière panique, soit on tente de se stabiliser encore sur le niveau actuel. Bon, en tout cas, on verra bien. Mais au niveau actuel des cours, c'est compliqué, surtout en se basant sur des graphiques de long terme. Là, de mettre au point des stratégies. La tendance peut se poursuivre, mais là, bon. Ok, ça reste de toute façon possible. La survente n'a jamais empêché pardon, une dynamique baissière, tout comme le surachat n'a jamais empêché une dynamique haussière. D'ailleurs, le CAD yen est déjà en train de prendre appui sur son premier support à 105,50. GBP-CHF, j'en ai parlé tout à l'heure. Et voilà, donc je pense avoir fait le tour de vos questions. Alors ne partez pas, on se retrouve à 18h. Oui, le webinaire sera enregistré. Le principe, c'est quoi? On étudiera ce que c'est le rallye de fin d'année en termes de statistiques, ce qui s'est passé dans le passé, ce qui se passe maintenant,
Donc on va essayer de rapprocher le mois de décembre 2014 avec le modèle théorique qui est simplement issu d'une moyenne. Déjà, je pourrais vous parler de la première semaine du mois de décembre 2014 et vous allez voir que la première semaine du mois de décembre 2014, elle s'écarte de la moyenne des 20 dernières années. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Et enfin, je vous proposerai de passer en revue non pas les 40 actions du CAC 40, mais cependant, pas les graphiques, mais d'observer quand même dans l'indice parisien quels seraient les titres et secteurs qui pourraient le plus bénéficier d'une fin d'année favorable, disons à partir de la semaine du 15 décembre. Et tout ça, c'est le programme de tout à l'heure. Voilà, donc merci à tous et je vous espère nombreuses et nombreux à partir de 18h.